Et salut tout le monde, salut YouTube, on se retrouve pour la suite de notre carrière avec le PSG. Donc PSG Lille, premier match de championnat de Ligue 1. On va peut-être pas leur mettre le maillot rouge, sinon on garde celui-là et eux ils auront le blanc. Voilà, comme ça on va mieux reconnaître les joueurs. On garde la petite compo d'équipe classique avec Daniel Alves en mode recrue de l'été quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On va se faire le petit exercice, le centre, ok. Ok, hop. Hop, easy. Allez, on est reparti. Hop. Hop. Oh putain, j'ai mis un poteau, d'accord. Hop. Hop. Easy. Bon, assez facile, hein. Je dois... Oh merde. Ok, alors moi je dis ça et je fais de la merde du coup. Boum, petite tête plongeante de Ibrahimovic. Ok, là j'ai fait de la merde, tant pis. Je pense qu'il est quand même réussi. Hop. Allez, c'est réussi, hein. Ok. Ah non, ben on l'a raté, tiens. J'avais dit que c'était easy. En fait, on l'a raté. Allez, c'est pas grave, on va partir sur le match directement. Lille PSG. Premier match de championnat. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez. Sur des ballons. Donc, Lille qui a eu dans la grêle un nouvel entraîneur, Hervé Renard, que moi j'apprécie beaucoup personnellement. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait quand il était à Sochaux et ce qu'il a fait en Afrique. C'est juste extraordinaire de gagner deux Coupes d'Afrique des Nations d'affilée déjà, et dont une avec le Gabon, et c'était pas gagné de gagner avec le Gabon. Allez, avance ta balle. Ah, trop tard du coup. Mais on obtient, je pense, la faute. Je pense qu'elle est pour nous. Ouais, elle est bien pour nous. Et c'est vrai que quand il est arrivé à Lille, je me suis dit que ça allait être le Messi, ça allait faire revivre net. Parce que depuis que Garcia était parti, c'est vrai que Lille, c'était pas ça du tout. Il n'y avait pas de jeu, on se faisait bien chier, même si c'était plutôt bien classé ces dernières saisons. On se faisait quand même ultra chier dans les matchs de Lille, il n'y a pas chier là-dessus. Et en fin de compte, on voit que c'était peut-être pas l'entraîneur, hein, c'était peut-être juste que c'est pas une équipe offensive, c'est plus une équipe offensive comme avant et que du coup ils sont un peu envers les buts. Oh non, elle est passée à côté. Bon, c'est pas Ibra qui a mis la tête, je pense que Ibra a tiré le coup franc. Allez Marco. Oh bah alors, on va passer un jour. Ok. Allez, David Luiz, une petite frappasse. Non. Bien négocié par le gardien. Eh ben là, rendu à l'adversaire. Donc, j'espère pour Lille que ça se passera bien pour eux cette année, qu'ils ne vont pas finir en dessous des 10 premières places. En tout cas, on voit que Angers et Rennes sont plutôt chauds en début de saison. Donc, tant mieux. J'espère qu'ils ne sont pas dans les 3 premiers parce qu'on a besoin de points UEFA et on sait très bien que si Angers ou Rennes est en Ligue des Champions, ils vont pas faire long feu et du coup ça nous fait perdre des points UEFA et ça serait dommage. Cette année on a une plutôt bonne configuration, on a des gros clubs en Ligue Europa et on a deux clubs en Ligue des Champions qui sont pas dégueulasses, même si Lyon a pas pris beaucoup de points pendant ses premiers matchs, mais on espère que ça va changer et qu'on va reprendre des points UEFA, peut-être repasser déjà devant le Portugal parce que c'est un peu un scandale qu'il soit devant la France au classement UEFA et récupérer nos 3 places pratiquement joué, assurées avec des champions sans le tour préliminaire contre la grosse équipe quoi. Ça serait plutôt pas mal, et si on pouvait passer devant l'Italie aussi, écoutez, casse la mienne, moi je serais bien content. Il faut que le championnat de France soit plus épais et qu'on ait beaucoup plus de stars, et que le PSG, même si c'est mon équipe de cœur depuis 24 ans, ce qui est mon âge. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de rivalité dans le championnat de France. Enfin, voilà, on n'écrase pas tout tous les ans parce que ça en devient pas très marrant, enfin plus trop marrant. Donc voilà. Allez. Bon allez, je me concentre un peu sur le match, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je fais pas grand chose. Sofia Koufal. Alors qu'est-ce qui se passe?
Bon, là, il est gagné, il n'y a pas de fou pour longtemps. Typique, un truc improbable. Allez, une bonne occasion. Alors, ballon dans les pieds de Mavouba. Attention, okay, bon. Allez, on se reconcentre maintenant. On est pas là pour faire un match nul. Hein. Premier match de la saison, il faut dire aux adversaires que les gars, vous allez perdre toute l'année. J'avais fait un tac et Niyama a couru sur moi, donc il est tombé. Voilà. C'est pas très grave. Essentiel de cette équipe. Avec Zlatan Ibrahimovic. Allez Zlatan. Allez. Matuidi. Oh Blaise. Blaise qui régale. La petite passe en profondeur de Zlatanou pour le superbe extérieur du pied de. Intérieur du pied de Blaise Matuidi. Donc on est bien content. 41e minute 1-0 juste avant la mi-temps, le meilleur moment pour ouvrir le score. Donc c'est parfait. On commencera la deuxième mi-temps avec un petit bout d'avance si jamais Buffal lâche la balle un jour. Enfin, ne marque pas sans plus. Ou peut-être 2-0. Allez, Ibra. Allez mon petit Ibrahimovic. Ah ça va être chaud, on peut peut-être le prendre lui. Hop, allez. Par contre, au conduit de balle, on est là. Oh, oh. Ok, bon, allez, un petit dernier corner avant la mi-temps. Là, j'ai essayé sur mon interpro avec Ibra. Et c'est bien dommage, mais c'est pas grave. Allez, David Luiz, ça va revenir en plein centre. Hop, pour Ibra. Non. Matuidi pour Cavani. Petite frappe de Cavani qui partait vers la lucarne, mais non, donc on aura le droit à un deuxième corner avant la mi-temps. Allez, premier poteau cette fois. C'est Matuidi ou David Luiz? Je sais pas. Ils étaient côte à côte. Et j'ai pas trop capté avec qui j'ai mis la tête. Et là, non plus, je pense que c'est David Luiz, mais je suis pas sûr. Ah non, c'est Matuidi. Petit doublé de Matuidi. Matuidi qui carry bien la game. C'est plutôt plaisant. Allez, 2-0 à la mi-temps. On est plutôt content de ce qui se passe. Parce qu'on est fatigué dans ça. On a Cavani qui a un carton, il va falloir faire attention au tacle avec lui. Mais pour l'instant, tout va bien. Allez, Lucas. Ouais, Lucas, c'est une mobilette. Ok. Sébastien Corchia. Allez, Corchia, très bon joueur. J'espère qu'il changera de club bientôt pour qu'il puisse montrer vraiment ce qu'il vaut. Ah, c'est des joueurs comme lui qui font que des équipes comme Lille restent en Ligue 1, même s'ils n'ont vraiment pas le pire effectif. Franck Beria. Le pire effectif de Ligue 1. Voilà, ils ont vraiment des bons potentiels. Moi, j'adore Eric Boteac, par exemple. Je pense que c'est un joueur qui peut jouer à un niveau plus haut que lui. Et Sébastien Corchia, pareil. Sofia Buffal, pareil. J'étais étonné sur le Mail déjà. Mais ouais, je pense que c'est une équipe pour laquelle l'avenir. C'est un peu comme Nice cette année. Je trouve que. Bah alors avec un petit temps de retard, je pense que l'année prochaine, voire dans deux ans, Lille, s'ils arrivent à avoir une petite star du genre de Ben Arfa ou de la Sanadiara, c'est pas des petites stars, mais genre s'ils arrivent à faire un bon coup à un petit prix comme l'OM et Nice ont pu avoir Ben Arfa, je pense que Lille peut revenir sur le devant de la scène française en gardant ses bons joueurs, un excellent gardien déjà. Une défense pas trop dégueulasse, voilà, il repose juste une attaque. Et peut-être que Florent Balmont prendra sa retraite, même si c'est pas un mauvais joueur. Non, je pense que, voilà, il s'entête un peu avec ce joueur et du coup peut-être que c'est pas la bonne chose. Même si voilà, ses prestations sont très correctes, mais je me dis que le jeu pourrait être accéléré avec un milieu de terrain un peu plus dynamique. Alors arrêtez de faire l'apologie de vite, c'est à chaque match je fais l'apologie de l'équipe contre qui je suis. Moi j'adore le foot donc je pourrais en parler toute la journée. Mais là on est là pour gagner hein, tout simplement contre ces Lillois qui n'ont pas envie eux qu'on gagne tout simplement. Donc pour l'instant
c'est tout bon. Il faut juste pas te prendre de but. Voilà, on veut. Il faut que le go, la rage reste positif pour nous. Elle est une relance dégueulasse de qui vous frappe. J'essaye de faire la même chose qu'en vrai. Allez, le centre en fait, pas du tout exprès. Oula, David Luiz qui s'est chié dessus complètement. Allez. Hop, Ibrahimovic. Okay. Ok, bon contre de David Luiz qui s'était chié dessus. Okay, oh, bah alors, c'est tombé Lucas Silva. Marvin Martin. C'est pas Lucas Silva, c'est Lucas Silva, bien sûr. À nos amis marseillais qui aimeraient bien avoir notre Lucas à nous, alors que nous, leur Lucas à eux, on s'en bat les couilles complètement. Allez, ah, ma fin de frappe qui n'a pas marché, tout simplement. Allez, Mathieu, dis, t'es chaud. Ok, Sébastien Corchia. Allez, Alves, hop, tu cours vite, hein, on s'en fout. Donc. Allez, avance un peu ta balle, comme ça tu vas filmer un petit boulevard. Oh, et puis il est tout seul là-bas, Cavani. La passe était pourrave, dommage. Il n'est peut-être pas assez élevé. Sébastien Corchia. Ah. Marvin Martin. Il a fait sa route, il a fait une passe avant. Du coup, c'était un peu l'est que j'ai fait. Ok, centre au deuxième poteau, mais il n'y a personne pour couper la route de la balle. Donc tant mieux pour nous. Kevin Trapp qui dégage. Alors ce nouveau FIFA qui est un peu dur à prendre en main au début, ça se voit un peu plus en ligne que en carrière solo. Mais c'est vrai que au niveau des passes, c'était pas ça au début, donc j'ai eu un peu de mal à le prendre en main. Après voilà, on gagne ce match 2-0, premier match de Ligue 1 gagné, on est plutôt content et voilà, on espère que ça continuera tout au long des 37 prochaines journées et en Ligue des Champions aussi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu vers le haut à la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous et bisous chez vous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao les potos.